Les bateaux, c'est le manque de routine, puis comme l'attrait du l'attrait de construire quelque chose de gros, puis le premier qu'on construit qui flotte, ben c'est quand même impressionnant, puis de voir toujours plus gros flotter, toujours plus pesant, ben c'est quelque chose de le fun à voir là. Non, tout est plus gros, tout est plus un gros chantier comme Davy. Ça prend beaucoup de viande, ça prend beaucoup de job. Puis non, les bateaux, on s'entend, sont énormes. Si je compare aux remorqueurs, c'est avant on travaillait sur les remorqueurs, les bateaux pilotes, ça se compare même pas. C'est en fois 10. Là. Moi, je pense que oui. Si on prend en premier les propriétaires du chantier, moi, je suis ici depuis 2007, puis j'ai rarement vu, en fait, j'ai pas vu encore... de propriétaires à investir autant. Ben, je pense qu'on peut croire en eux autres. C'est de façon évidente. On s'entend que des rentrées d'argent depuis la relance, ben, il n'y en a pas eu tant que ça, si on prend quelques radous. Sinon, là, les rentrées d'argent, c'est surtout de la sortie de l'argent, de l'investissement, de la construction à nos frais présentement. Moi, j'y crois à la compagnie actuelle, puis j'y crois fermement. Pour ce qui est du gouvernement, c'est sûr qu'on est une belle option. La nouvelle génération des vies est là. Puis elle veut vraiment travailler, ça fait travailler beaucoup de monde. Je crois que c'est possible que pour le gouvernement fédéral présentement, avec tout ce qui s'enligne sur la planète, je pense que c'est une nécessité de faire construire au chantier des vies.